Monsieur, bonjour, bonsoir. Ça va le débat clair. On a une opportunité, possibilité pour suivre l'émission ça. Et c'est émission pour la émission rituelle et prière. C'est une émission pour nous venir parler de esprit géniaux qui est au-dessus de nous toutes. Non, Pam, c'est Saint-Fleur Grégoire, votre serviteur. Et dans ce studio, il y a avec moi Ronelson qui est caméraman. Moi, à chaque fois que nous sortons des vidéos sur l'émission, dans l'émission ça. Pas oublier que je n'en parle comme toujours, de nous partager, commenter, like, et parce que force nous même dans la radio télé Cause Vodou, nous venons porter bon genre de détails, bon genre d'informations pour vous, parce que c'est ça notre force. Pas oublier que, moi, je nous toujours, de nous abonner avec Chanel là, qui c'est Chanel Radio Télé Cause Vodou. Et bon, l'autre paquet sous-entité Chanel qui fait partie de la famille Radio Télé Cause Vodou, c'est Guinness et la vie, Daomé TV, Pierre Poudré, et à sur Facebook ou sur Facebook et sur Instagram, je une page non. Et j'aime dire non que Jodia nous venons continuer avec reste émission. Pour cela, nous prenons parler de mardi 9 juin. Esprit ou génie qui marchait avec lui, son séraphélien, c'est Akaya qui c'est A. C-A-H-A-I-A-H, son séraphélien, caractéristique, c'est intériorisation de la patience. Par la suite, nous parlons de 10 juin, esprit qui marchait, ou génie qui marchait avec, c'est K-K-E-T-L, C-A-H-E, accent aigu, T-H-C-A-H-E, accent aigu, T-E-L. Et 11 juin, qui ça mercredi cap on jeudi qui c'est Aziel H A Z I E L son chérubelier les mêmes par son séraphin son chérubin et catécycli il c'est miséricordieux. Pour cela, sans plus tarder, nous parlons de premier génie qui c'est séraphin Akaria, li c'est septième génie qui a rapport avec rituel de vie. Pas oublier, une n'a nous toujours aimé dire. La prière, c'est un moyen pour entrer en concentration ou en connexion avec les esprits qui sont au-dessus de nous tous. Pas oublier que dans l'émission précédente qui passait, nous avons parlé de rituel de Yon. Et dans le rituel de Yon, nous expliquons que pendant faire rituel là, vous obligez un outil qui est important, qui c'est machine à prière, qui c'est le sec kabbalistique. Je nous ai décrit là, c'est un grand sec qui peut se circonscrire à l'intérieur de lui-même. Et d'abord tout, c'est un qui est trois triangles, Lyon, Flesso, Yon, Téveles, ou même moi proposé du côté de l'Est. Et une autre chose qui est importante, lorsque nous parlons de séraphin au 7e génie qui c'est Akaria, il y a un rapport avec rituel de rituel de parmi les rituels de là, nous t'expliquons comment on est capable de faire pour faire rituel ça. Nous t'expliquons comment on est capable de faire pour faire ça parce que nous t'ai dit que il y a une très grande différence par rapport au rituel de Yon. Dans le rituel de Yon, nous dit que une autre chose qu'on est obligé de faire ou obligé en vont entrer dans lieu ou dans lieu de prière ou qu'a faire dans lieu de prière ou avant entrer ou prendre un robinet qui peut-être un bon kit de l'eau qui go robinet la donne ou laver mon pendant laver mon ou quitter de l'eau découler dans mon qui sont symboliques du point de vue mystique qui signifie la bienséance et l'amour et les qui rapport avec le génie sophirac et par la suite vous gagnez le lieu de prière là il y a deux bails qui ont besoin dans moment ça un ou besoin vertu tout de blanc, yon blouse blanche et yon foulard bleu nan kou. Et nan rituel de Yon, simplement après yon foulard sacré nan kou, ou besoin lumière en baleine du côté droit. Baleine nan du côté droit nan rituel là. Après ça, baleine nan c'est couleur bleu, baleine nan pour yon là c'est blanc, pour Yon baleine nan c'est bleu. A par la suite, on fait mesure dit que la lumière soit. Lorsque on fait mesure ou vezyo, quand on ouvert yeux là, on fait comme si on plongeait mon vers baleine bleue qui côté droit ou en dans sec là machine à prière. Par la suite ou en dans même sec là ou besoin d'un calice soit lié en or en argent ou en cristal et puis on va prendre place ou va opposer du côté de l'est. Pas oublier que du point de vue mystique ou ça qui rapport avec le machine à prière et laisse ça symboliser d'abord c'est source de bonheur. L'énergie pure, l'énergie positive, c'est que c'est ensemble de ça, choses ça, on va recevoir. Et par la suite, on pourra aller
commencé puisque sur pas dans rituel de là yo te sous droite si on mettait au droit sous gauche on mettait gauche mais dans rituel hier même sous droite ou gauche on mettait du côté droit 7 et puis deux mon levé chaque mot à l'ex à décadre pendant on dans mais à l'extérieur du cercle aux machines à prière pour cela doit réciter prière prière de génie que n'a pas là génie ça c'est 7e génie cap mardi cap 7 mardi cap 9 juin 7e génie cap mardi cap 9 juin nos génies sont séraphiliens c'est acaria qui prière pendant t'a parlé de rituel là qui prière qui accompagne avec lui n'a plus prière n'a plus prière pour dit que après avoir effectué le rituel en vigueur qui c'est hier lire et prononcer la prière suivante. La patience est une douce lumière qui nourrit l'âme et la réchauffe sans la brûler, c'est-à-dire sans la troubler. Elle concentre l'être humain en lui-même, pour le dégager des choses de la vie, peu importe, et son esprit s'élève et reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Sa vision du monde prend de l'ampleur par la patience. La vie humaine est plus facile pour certains grâce à la patience de certaines autres grâce à la patience de certains autres. C'est quelque chose de bien grand que de vivre dans l'obéissance à l'ego et de ne pas être affecté. J'accepte entièrement ma part de difficultés à dépasser car avec ton aide Akaria, avec patience et persistance, clé de la victoire, j'arriverai à faire de ma vie un centre rayonnement de bonheur, un centre rayonnant de bonheur et de prospérité, selon la volonté du Créateur. Ça, c'est le prière adressé avec le génie, qui est le 7e génie, qui c'est Akaria, qui c'est A-C-H-A-I-A-A, son séraphélien. Et carte cycliste, c'est intériorisation de la patience. Pour cela, moi toujours dis nous, essayez d'aller sur Google, écrit 7e génie, Akaria, ou après tout bienfait. Parce que c'est ça, c'est notre force à la radio télécosée pour nous. À chaque fois que nous portons génie pour nous, génie ça, la bien avoir mardi 9 juin 2023. Et nous expliquons qui est rituel de là, qui est rituel de là, et par la suite nous expliquons. L'offre fait prière qui soit besoin et qui n'a qui condition de vie. Et pendant son Google là, il dit l'ange Akaria, symbole de la compréhension, symbole de compréhension et de communication. L'ange Akaria, symbole de compréhension et de communication. Il dit que Akaria est un ange féminin qui symbolise la compréhension et la foi. Il développe la bonté. Ça, c'est caractéristique d'ange, de l'ange qui séraphin Akaria. Et me font cliquer sur lui, m'a essayé ouais plus de détails. C'est ça notre force à la radio télé causé vaudou parce que nous venons pour porter bon genre de détails, bon genre de formation. Il dit que vous êtes tôt et vous voulez connaître le nom de l'ange gardien qui vous protège et que vous pouvez invoquer. Voici le 7e, on a parlé de 7e génie qui c'est Akaria, l'ange de la patience et de la persévérance. Il protège les personnes nées entre le 21 avril et le 25 avril. Et ça c'est détail au bail de lit. Et par la suite, l'autre détail encore, j'aime dire moi, que l'on est capable de prier, adresser dans le jour 9 juin, 11 jours mardi et 2023. Et pour aller faire quelques petites recherches sur Google, je dis que l'on est lié avec des personnes qui naissent à partir de 21 au 25 avril. Et c'est ensemble de caractéristiques ça. Que l'ange Akaria, symbole de la compréhension et de la communication qui peut être liée. Pour adresser, il faut faire d'abord le rituel, réciter le rituel et d'abord faire le sec à prier qui c'est machine à prier. Merci beaucoup. Et nous allons venir avec deuxième mercredi 10 juin, nous allons parler de Kaitel qui c'est 8e génie du grand sec Kabbal. Merci beaucoup.